Adum Lopez, pour Kepo, Aaron Sabah, les Tchadiens, très excellents, font circuler la balle, ovationné ici par qui et Ngoma. Mais cette balle en touche, une équipe du Tchad qui se bat très bien, rien à faire, Minko aux prises avec Toukam. Toukam qui a mis Minko sous les teignoirs. Les éternels absents de la Coupe d'Afrique des Nations, les Sao du Tchad, après 3 ans de suspension par la CAF et la FIFA, ils renouent avec les compétitions. En perspective, CHAN 2019, CAN 2021. Cela est-il possible? C'est possible, il faudrait que la mentalité des Tchadiens change. Ces jeunes-là, ils se battent, ils se dégargagent sur le terrain, mais d'autres en profitent. Ça ne pourra pas se faire. Ici au pays, on n'a pas une école de foot digne de ce nom. Je jouais au quartier avec les amis, on jouait pieds nus. Juste après les écoles, après l'école, on est rentré taper au ballon. C'est à coup de fouet qu'on nous fait rentrer à la maison. Sinon, tout le temps c'est ballon après l'école. Tout le temps c'est ballon. Et c'était pas une balle en tant que telle. C'était les chaussettes. Et puis on versait du sable dedans. Et ça constituait notre ballon. Là, comme ça, on tapait dessus, voilà, de gauche à droite, on courait partout dans la rue. On n'avait pas un terrain, on jouait seulement ici, dans notre rue. Et puis c'était comme ça que tout était parti. Noir, on récupère. Toi, tu dois toujours être derrière eux. Tu montes pas. D'accord? On verra après comment ça va se passer. Mais là, eux au milieu, ils jouent à 4 ou ils jouent à 5. D'accord? Donc il faut vraiment qu'on soit nous en position, sinon on va se faire éclater. D'accord? Je voudrais simplement vous dire un mot de la part de Monsieur le ministre. Il est en ce moment à Mondou, il rentre cette nuit pour une mission gouvernementale et il vous réitère son soutien, comme il vous réitère aussi le soutien du chef de l'État qui, à chaque instant, est derrière nous pour nous encourager. Et nous recevons ici aussi le soutien de tout le peuple tchadien qui est derrière nous et qui nous regarde et qui nous encourage. Chacun doit donner le meilleur de lui-même jusqu'au sacrifice suprême. Nous n'allons pas être battus sur notre propre installation. Vrai ou faux? Vrai. Ça, c'est pas encore. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Et c'est ce message d'encouragement que le ministre me demande de vous le dire. Il vous a dit, je le répète, si nous faisons un nul, le prime qui est prévu est multiplié par 2. Si nous faisons une victoire, le prime qui est prévu est multiplié par 2, sans compter ce que le chef de l'État vous a promis. Oh, no, no, no.
c'est Mbaye Tarou Joseph. Mais le nom de l'espoir, c'est Mbaye Tarou Rapide. Du village, j'étais gardien. Après du village, lorsqu'on est venu à Doba, j'ai abandonné le photo pour être joueur de champ. Bon, lorsque j'étais au photo, j'étais très rapide. On me tire la balle de l'autre côté. Si je tombe et que la balle, je repousse la balle et qu'on veut me lever, fait que je me lève rapidement pour repousser la balle. C'est pour cela, un de mes supporters qui m'a surnommé le mot rapide là, depuis village. Après village, j'ai quitté pour Doba. J'ai joué dans UPAP une année à Doba. Après une année à Doba, j'ai quitté pour Mondo. Semaine nationale 84, on a remporté le trophée. Donc, j'étais très bon. Le chef de l'État a demandé à notre chef d'usine, M. Katala, dit le gars là, il faut qu'on le fasse venir ici en Djamena parce qu'il est très bon, il doit jouer dans l'équipe nationale. Donc on est venu avec Modobé dans l'équipe nationale. Ça, c'était présélection en 85. Isaï, 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 c'est déjà l'heure. Erazoï. Je m'appelle Dikolim Isaï, je suis footballeur international tchadien et parallèlement à ça, j'ai fait des études en sociologie. Je suis en troisième année de licence. D'abord, tout d'abord, j'ai intégré l'équipe nationale des cadets les moins de 17 ans. C'était en 2006. On a joué les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. On a joué contre le Gabon ici, on a gagné 1-0. Celui que j'avais marqué sur le coup franc. Et puis c'était le même jour, on nous donnait le résultat du baccalauréat. J'ai fêté au terrain, à la fin, j'ai pas eu mon bac. Donc c'était une soirée un peu compliquée ce jour. Papi Zay, oui. On est le jour du match. Et comment tu vois l'adversaire et le match? Comme tout le monde le sait, le Mali, c'est un grand pays de football. Et puis en plus, dans le groupe A, nous sommes les petits poussés du groupe. Donc. Mais bien sûr qu'ils sont favoris, mais on a les forces égales. Si chaque joueur essaie de donner le meilleur de lui-même sur le terrain, et je ne vois pas par comment on doit perdre le match. Et puis en plus, on est chez nous, on doit se faire respecter. Parmi mes amis qui jouent à l'extérieur, on peut citer Ngar Ezekiel. Lui, c'est un grand frère et puis c'est mon capitaine de l'équipe nationale. Il y a mon petit Marius. Moi, je l'appelle toujours mon espoir. Il y a Ninga Casimir, je l'appelle petit joueur. Comme à chaque fois, je le gagne souvent en PlayStation, donc je l'appelle mon petit joueur. Sinon, moi, je suis très fier d'eux. Ils sont des modèles pour nous. Même certains sont mes petits, mais ils restent des modèles. Ils sont sortis de nulle part, pas d'école de foot, rien. Et là maintenant, il y a Ninga qui est en Angers, le petit Marius, il joue en Portugal avec la FC Porto, et Ngar qui est en Indonésie. Si on a beaucoup de joueurs professionnels, notre équipe nationale sera à un certain niveau. Par contre, Lick, la casquette là-bas, tu l'enlèves. Maintenant, on a un adversaire aussi qui est de qualité et qui ne va pas nous faciliter la tâche parce que c'est le favori du groupe. Nous, on est le petit poussé, on arrive de nulle part. On n'a pas eu de compétition, le Tchad n'a pas eu de compétition pendant 3 ans et demi. Donc, on est en reconstruction, on est en phase d'apprentissage. Tu dis quoi? J'ai dit que le gars a dit 5 bruits. L'espoir est mieux au cœur. Nous pouvons dire que
nous approchons du but. Toute la jeunesse, le peuple tchadien est un grand français. Il a reçu une vie, il savait très bien. J'espère que vous allez, comme vous avez dit, vous allez gagner. Le tchadien, naturellement, il est fait pour gagner. Nous sommes là pour vous témoigner et à travers vous, à tout le monde, tout le peuple, notre détermination à tout donner sur le terrain pour honorer la confiance que vous nous accordez. Excellence, merci d'avance pour vos conseils et vos encouragements. Le public tchadien a faim de victoire. C'est pour ça que je dis le public tchadien a faim de victoire. Dès qu'il y a une victoire, c'est tout le monde qui est content. Et nous, on n'a pas beaucoup fait pour les aider dans ce sens. À chaque fois, c'est les défaites. On gagne, mais pas souvent tout ça. Donc, ça, cela a rendu le public tchadien même mécontent sur nous. Mais il y a certains qui sont toujours derrière nous. Là, je ne peux pas les oublier aussi. On ne va pas avoir des soirs, on fait des efforts. Quand on est fatigué, on le dit, on sort, on change. Il y a la qualité sur le banc. Ouais, j'ai une limite défensive. Attendez, là, c'est plus un gaucher. Mais ça va être là, il n'y a plus un serveur. J'ai oublié de l'enlever. Merci. À présent, l'hymne du c'est le mental. On n'a pas de mental. On est spectateur. Il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas un coup. Il n'y a qu'Eric. C'est ce que j'ai écrit. Défendre en avançant. Il faut que je l'écrive en quoi? En russe? En chinois? Alors, au Tchad, il y a plein de chinois. On va écrire en chinois maintenant. On compte sur vous, les amis. Ouais, je suis sûr que vous n'allez pas laisser ces gens-là repartir avec leur victoire 3 points. Ça, c'est pas possible. La défaite n'est pas tchadienne. Hein. Nous sommes à 0 points, les amis. Ne laissez pas à ce qu'on reste toujours 0 points. Hein. Nous, on est derrière vous, jusqu'au fond. Voilà. Et alors, maintenant, on va faire là. Ça va être politique. De remonter la pente, mais les erreurs sont ailleurs. Les joueurs qui ont donné, c'est du peu. Les classements n'est pas bon.
monsieur. Sur la deuxième mi-temps, on a fait 0-0. Vous avez tout vu. Je suis content de vous entraîner. Mais Mario, tu as du travail. Monsieur Droga. Quand je parle, on m'écoute. Ok. Monsieur Droga, quand je parle, on m'écoute. Voilà. C'est une technique qui n'a pas marché. Quand il y a un changement, il faut refaire un changement à temps. Si vous estimez que certains joueurs par rapport aux hommes, ça ne peut pas marcher. Moi, on a envie de gagner. Allez, hop. On est ensemble. Allez. Monsieur, c'est un jour de on est encore perdu. Ça reste encore 4 matchs. 4 matchs, c'est 12 points à prendre. Donc, si on négocie bien les matchs, on peut faire voilà, des bons résultats. Et puis voilà. Nous sommes des guerriers, on ne peut pas baisser les bras à ce stade. On a perdu la bataille, mais pas la guerre. Donc, on doit travailler pour et regarder vers l'avant. Ce n'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras. On doit continuer à travailler. Et puis voilà. Si vous voyez la colère des jeunes tchadiens, c'est parce que quand on est à domicile et que les jeunes veulent avoir du beau football, c'est vrai, il est bien évident que même faire un match nul avec une équipe comme le Mali est un exploit. Et gagner encore, ça doit être un grand miracle, vraiment un grand miracle. Mais nous sommes quand même au Tchad où nous sommes allés jusqu'à chez eux pour défendre leur pays chez eux. Et quand ils viennent ici, on doit leur montrer que c'est toujours nous les patrons. Mais qu'on va défendre chez eux là-bas, ils viennent nous taper ici chez nous. Mais ça, c'est de la merde. Le public tchadien, c'est un public un peu particulier. Dès qu'il y a une victoire, c'est tout le monde qui est content. Mais si on fait une défaite, et on rejette la faute. Je sais qu'on est responsable quelque part, mais c'est comme on le dit souvent, c'est dans la souffrance qu'on reconnaît les vrais amis. Oui, chef. Comment ça a été le match hier? Les aigles du Mali, Sao du Tchad. Franchement, Sao a passé à côté. Mon équipe a scoté la même joue mieux que Sao. Wow. C'est quoi le problème? Selon moi, si l'entraîneur base sur le loco par rapport au professionnel, ça allait être un peu. Les professionnels reviennent en renfort, c'est tout. Oui. D'accord, voilà. Normalement, le football moderne, c'est ce qui se passe. Hein. Même, moi tu sais que mon dernier match c'était Tchad Guinée-Conakry. Ça c'est le dernier match. Je ne sais pas, c'est en 2006 ou quoi. Ouais, ouais. Ça c'est le demain. Là. Non, mais vous les anciens, vous jouez mieux que ceux d'aujourd'hui. Hein. Sincèrement. Oh, oui, à notre temps, non? Hein? À notre temps, non? Non, à votre temps c'était formidable. On avait pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Parce que vous n'avez rien du tout, mais vous avez la volonté, vous travaillez. Et le football que vous pratiquez avant, c'est aujourd'hui qu'on voit à la télé. Donc c'est une bonne chose. Bon, beaucoup de courage alors. Merci, merci chef. Merci beaucoup. De la Saint-Grâce fixée sur le match de Super Coupe. Et c'était confirmé pour le samedi prochain. Donc ils sont obligés de travailler avec les licenciés de l'année dernière. Donc ceci étant dit que tout le monde est là. Donc on voit s'atteler beaucoup sur une équipe qu'on doit mettre en place pour ce match. Donc je dis on joue quoi? On joue contre l'Aigle Sport. Et toujours notre défense était face à cette équipe. Mettez un peu de rythme là. Vas-y, donne lui devant. Là où il doit jouer. On se lève la tête. Allez les gars, tirez-moi. On se tire, donne. Voilà.
Les milliers, regroupez-vous, joueurs. On est en marquage ici, là. Osez prendre, là. La bacar avec lui. Ils sont libres tout le temps. Venez sur les joueurs, là. On ne doit pas rester seul. Jouez. Youssouf, tu es bien à la place de Ray. Tu es bien à la place de Ray au poste de 10. Rimba. Rimba. Prends, là. Jouez. Joue gardien, joue, donne-lui. On programme les entraînements à 6h par rapport à les clubs. Il y a certains clubs qui s'entraînent à 10h, il y a certains clubs qui s'entraînent à 14h, il y a certains qui s'entraînent à 16h. Donc aujourd'hui, comme on s'est entraîné le matin, demain peut-être ça serait le soir. Donc on sent le temps par rapport à les clubs. Parce qu'il y a 11 équipes. Qui passent en première division. Donc ils ont divisé l'équipe là. Il y a 6 équipes ici à l'essai des 10 membres. Il y a 6 à Paris Colombien. Yadou. Pendant Ascoton Tchadjou, ça fait presque. C'est en 2010 que j'ai hérité le brassard de capitaine. Et je joue quand même plusieurs rôles dans l'équipe. Je suis un conseiller du président. Je suis là toujours avec les coachs. Des fois, les coachs m'appellent pour me demander mon avis sur certains points. Et par exemple, le jour où on m'appelle dans l'équipe nationale, et dès qu'on finit avec l'équipe nationale, le peu que je gagne là-bas, j'essaie aussi de mettre à la disposition de mon équipe. Par exemple, des fois, il y a des jours où je paye des primes d'entraînement. Des fois, j'offre des chaussures à mes amis. Donc, je joue plusieurs rôles dans l'équipe. Comme je suis le capitaine, je suis toujours au devant de la scène. Donc dès qu'il y a des problèmes, j'essaie de gérer comme je peux. Non, ça c'est bon. Parce que le 1-2, c'est bon avec Osé et Isaïe, c'est très bon. Ton défaut, arriver dans l'espace de préparation pour marquer là. Tu joues avec prestation et puis tu mets dehors. Ou bien tu mets dans la main du gardien. Là, c'est à 74. Lorsque je suis entré en Bourse, c'est à 74. Après ça, j'ai quitté 74 pour venir à 75, 76, je suis venu à Doba. Et à Moundou, j'étais le meilleur buteur. Avec 37 buts. Deuxième avait 11 buts. Le président de Aigle Tiang, là, les gens l'ont dit qu'il y a un grand attaquant ici. Donc c'était comme ça, les gens sont venus me chercher ici. Entre-temps, la maison n'était pas comme ça. Il y avait une seule chose. Et c'est avec, lorsqu'ils m'ont sollicité avec moi, que j'ai signé le contrat là-bas, que j'ai rétabli la condition de mon papa là, que je suis resté. Et j'étais le deuxième meilleur buteur là-bas dans Aigle de Tchang, derrière Mandégué. Oui, Tchang, au sud Cameroun. Nos jeunes de maintenant n'arrivent même pas à faire ce qu'on est en train de faire avant. Ça me fait pleurer quoi. Yves. Alors, on a dit que c'est ici. On a dit que c'est ici. On a dit que c'est filmé ici. On a dit que c'est un petit chat ici. Ok. Je vais aller après. En tout cas, après, je vais t'appeler. Merci beaucoup. Dougui, Igif. Là, ça, c'est la deux défaites. Manarwa. Malinda, 4 points. Guinée, 4 points. Namibinda, 3 points. Ouais. Anatinda, 0. 0 points. Go la virage moins 3. Lakin on a taf. Il suffit qu'on travaille à dire parce que l'entraînement, qu'on fait club de l'entraînement, il dit à dire, il y a un regroupement d'Inara. Car on visé dans l'objectif voyable. Tu veux dire? L'objectif voyable, on peut faire quelque chose. L'autre chapeau, mais c'est pas encore trop professionnel. Non, c'est un malaise amateur. Avant, c'était playoff, toujours 5 matchs. Tu n'as pas les jambes. Tu peux pas jouer à la série, c'est pas possible. Par exemple, moi je n'ai pas un agent, je n'ai pas un moyen de déplacement. Je prends le bus du stade chez moi, je paye 150. Le demain matin, je rentre encore au stade, 150.
Il faut mettre le crédit, il faut appeler tout ça. Il y a madame à côté. Il y a madame à peu près à côté. L'équipe maintenant, ça va mieux. Quand tu t'entraînes, même des fois, on te donne 5 000 par entraînement ou 10 000 par entraînement. Là, par rapport au club, c'est beaucoup. Non, c'est beaucoup. Par rapport c'est beaucoup. Donc, quand tu sors de l'équipe nationale, c'est tout le monde qui te dérange au quartier. Oui, ça, tu nous donnes de l'argent, tu nous donnes de l'argent, c'est comme ça. Donc, le peu qu'on gagne dans l'équipe nationale, les gens ne nous laissent pas. Donc, tu es obligé de donner de gauche à droite, tout ça. Ah, voilà, on a dit, on est marre. Et là, quand on est tous, donc, j'ai mon âge, 5. Et puis, sous-bébé, mourir. Voilà. Planton, je viens, j'ouvre la porte de mon chef, je nettoie d'autres tablettes et puis enlever les saletés, faire ce truc. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas payé. Ça fait 4 ans maintenant que je travaille avec les gens des impôts. Mais comme je ne suis pas intégré, je n'ai pas mis salaire. Donc c'est le forfaitaire seulement qu'on me donne pour mes savons et être là. Bon, si je reste à la maison comme ça, ce n'est pas bien. Donc je suis obligé de venir rester causer avec eux, voilà ça, là, ça. Mais je suis en train de tâtonner ailleurs aussi. Si je trouve quelque part mieux, je veux partir. J'ai abandonné l'école à cause de football. Entre-temps, j'avais 13 ans ou 14 ans. Ça, c'est au village là-bas. Parce que mes papas sont là, moi aussi au village, j'ai gardé même les bœufs, et là, j'ai abandonné. Je joue au foot seulement. C'est grâce au foot là que je suis jusqu'à venir en Yémen en fait. Donc franchement, c'est difficile. Contre Guinée, là, c'est compliqué, chier. Guinée, là, c'est un mari pour la mara BD. Moi, là, c'est un chier. Abel, il faut que je sois là. Sondage, là, je suis. Ah, bon. Sondage. Sondage, non, ma sondage. Parce que vous avez vu le match, non? Donc moi ici en train bien sûr, mais je vous demande, est-ce que comment vous avez vu le match? Est-ce que nous sommes sûrs d'aller gagner notre Mali chez eux et puis gagner l'année ici? C'est ça? Bon, moi, il y a là des rapprochés. Sauf que nous chers, il y a Kaoul. Ça m'a manqué deuxième partie de Libo. La Libo, moi, j'ai deuxième partie de Libo. C'est que nous pouvons nous. Mais il y a là des rapprochés. Watan no c'est le massa rim de match quand on panique on marrage ah quel bon figure ou quel bon ah tipa ah tipa maya ka libo ah on a yara dara wal libo ma ya tu ma ekiba kara fat de la ma libo ra ma khalu mi ala foba ma sha Allah yala min bar watan jabo yala ta ko ma yarfu libo bon mais sur le plan de moyen sinon je peux pas sur le plan de moyen moi tant ça. Ça, c'est à Bangui, avec Postel. Là où je suis fait fracturer. Par rapport à mon blessure-ci, franchement, c'est vrai. Les gens m'ont abandonné. Et entre-temps, je travaillais à la Kotochel même nous a laissé. Franchement, j'ai galéré. Moi, je m'appelle Dédou Cédric. Mon père jouait dans la Scott et c'est pourquoi moi-même j'aime aussi le football. J'ai l'habitude de regarder le match. Je pars avec mon grand frère au ciné-club, comme le match de Real, Barça, Valence,
ces villes comme Paris, City, Manchester United, Liverpool, Crystal Palace, Tottenham. J'aime Messi parce qu'il joue bien, mais moi je supporte le Real de Madrid. Notre pays est dur, le mot là, jamais, c'est dur à trouver. Donc on est presque 25 ou 26 dans notre école de foot et lui il peut pas acheter tout seul. Et le pays est dur aussi. J'aime regarder les ligues parce que les joueurs internationaux, ils jouent mieux que nous parce qu'ils jouent en deux touches de balle et ils avancent très vite parce que nous, on aime garder le ballon et ça part trop loin. Mais eux, quand ils font deux ou trois seulement, ils marquent des buts. C'est ça que ça m'intéresse pour regarder. Levez derrière lui. Allez, travaille. Vas-y. Levez derrière lui, collez. Allez, on change de pied. Changez le pied, pied gauche. Contrôle le ballon, pied gauche. Le ballon ne doit pas tomber. Soyez relax. Le ballon ne doit pas tomber. On joue beaucoup plus en deux touches et on lâche. Deux touches, vous faites la passe. Match entre Tchad et Mali. Je suis revenu de l'église et directement, j'ai quitté de la maison pour aller au stade pour regarder le match vers 13h. Le soleil même, ça nous brûle. Et puis, on nous a gagné. C'est ça que ça me fait mal. Avec ma taille, je suis petit, donc je n'ai pas l'accès d'entrée. Si je pars d'ici, il y a beaucoup de gens. Si je reviens ici, il y a beaucoup de gens. Donc, je n'ai pas l'accès d'entrer au terrain. Ça me fait du mal. Et puis, plus encore, parce que j'ai quitté de loin pour partir, pour regarder. Et puis, eux, ils sont venus dans notre stade pour nous humilier. Ça, c'est ça que je suis décroché. Mon rêve, c'est de jouer dans l'équipe nationale. Et bon, quand je serai grand, si je joue dans l'équipe nationale, je peux aider l'équipe nationale à se remonter vers les presque 11e ou 12e. Parce que nous, on est presque dernier des équipes, ou avant-dernier comme ça. Donc, ça donne une mauvaise image pour notre pays. Jamais joué à Cannes. On a gagné quand même la Coupe de la CEMAC en 2014, même si c'est une coupe sous-régionale. Pour nous, ça reste voilà notre Coupe du Monde. Même si c'est un petit trophée pour nous, c'est la Coupe du Monde. Comme il y avait eu l'effervescence de tout un peuple, tout le monde était content. Le président de la République nous a invités, on a déjeuné même avec lui. Parmi ces six pays, il y a le Cameroun, il y a le Gabon, il y a la Guinée équatoriale, la Centrafrique, le Congo, Brazzaville et nous, le Tchad. Et parmi ces six pays, tout le monde a remporté une fois quand même le trophée et pas nous. Et personne n'est misé sur nous. Là, finalement, on devrait se jouer à Bata. Donc on s'est rendu à Bata en avion. On était logé à Bini. On faisait presque 2h45 de bus avant de venir au terrain de match. On nous a logé dans un petit village. Et malgré tout cela, bon, comme nous les Tchadiens, on vit d'avoir des conditions un peu pénibles, donc ce n'est pas les 2 heures là qui vont nous tuer là-bas. On a joué en équipe, on était restés soudés. Tout le monde défendait, tout le monde attaquait. Donc comme la finale devait se jouer à Bata, on est restés sur place. Et les Congolais étaient venus nous trouver. Le jour de finale, c'était 14 décembre 2014. On était venus. Ce jour, Ninga a marqué 2 buts. Déjà marqué un but. On menait 3-0. Ça restait 30 minutes de jeu. Mais après, les Congolais nous ont pris à la gorge. Ils ont réduit les scores 3-1. Après, c'était 3-2. Après, on ne se posait plus les questions. Dès que le ballon arrive, on mettait le plus loin possible. Et voilà, ça nous a permis quand même de gagner la Coupe de la CEMAC. Et après ça, on était accueillis en Europe, au pays. À l'aéroport, il n'y avait eu aucun vol ce jour, à part notre avion que tout le monde attendait.
même sur le tarmac, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de gens. On a laissé juste notre piste seulement pour que notre avion atterrisse. Les trophées sont brandis par les représentants du Premier ministre, chef du gouvernement. La joie est immense, l'ambiance est totale. Cette liesse populaire des descendants de Sao confirme sans embâche la grandeur de l'équipe nationale. Les rêves deviennent réalité, les Sao du Tchad version 2014 ont réveillé la fibre nationaliste de Tchadiens. Cette victoire est une réponse aux aspirations d'un peuple qui a entendu depuis longtemps. Français, le gars, Patagodon, Francis. Un Tchadien m'a appelé, voilà, il y a un club au Liban qui a besoin d'un joueur. Et puis moi, j'ai parlé avec toi à un Camerounais. Le club, ça se nommait Ariad Waladap. J'étais encore très petit en ce temps. J'étais très petit, et puis c'était un peu compliqué. J'étais encore avec les moins de 17 ans, donc c'était. Rester un peu loin de sa famille, c'était difficile à avaler. J'ai joué une saison. Après ça, notre équipe a eu des difficultés. On doit descendre en deuxième division. Par rapport à notre façon, notre système de jeu, il y a quatre défenseurs, il y a trois milieux de terrain qui sont en losange. Deux sur le côté, un qui est devant la défense. Et vous jouez contre neuf joueurs qui sont à vocation offensive. Vous avez laissé Koulibaly attirer jusqu'à 25-30. J'ai eu la licence C et puis après licence B. Mais maintenant, ça reste licence A. Sinon, avant, c'était moi l'entraîneur tutoriel. Ça fait deux ans que je suis l'entraîneur tutoriel dans l'équipe parce que ton tchat. Mais après, ils ont exigé qu'il faut la licence A. Mais si tu as licence B, tu peux être assistant. C'était comme ça, ils ont amené mon collègue Boli pour être le tutoriel et moi, je suis son assistant. Les verres ensemble. Assina, Awal, Ahmad, Ousmane, Mando. J'explique à mes enfants, je dis voilà, faites ça. Pour être un bon joueur, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais ils n'arrivent pas à comprendre. Certains comprennent, mais certains n'arrivent pas à comprendre. C'est ça notre difficulté maintenant dans ce pays. Sinon, il y a des talents. Mais ils ne respectent pas le conseil, ils ne se concentrent pas. Ils sont là, après les entraînements, ils sont au 4 heures, etc. Mais en notre temps, ce n'était pas le cas. Moi, je suis meilleur buteur dans mon club. Lorsque je suis venu de Moundou, pendant 8 ans ou 9 ans, là, meilleur buteur dans mon club. Meilleur buteur, oui, j'allais Bagdomir pendant 4 ans. Maintenant, nous, on a raté. Pour que les enfants, là, demain, ils vont nous remplacer. Mais si on continue comme ça, on ne va rien faire. Hein? Souvent, les gens viennent, ils nous gagnent. Souvent, ils viennent, ils nous gagnent. Même on sort, ils nous gagnent. Ils viennent chez nous, ils nous gagnent. Mais en notre temps, ce n'était pas le cas. En notre temps, sauf sur le Cameroun, on gagne les Gabonais, on gagne les Guinéens, on gagne Centrafrique, Congo, etc. En notre temps. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Centrafrique, ici, là, même, ils viennent nous gagner. Quelle équipe qu'on voit le gagner là? Marcel, où sont ma de la mise? Alors, ma au gang, elle grille bien. Derbe gancho on ba ganar o quando super cup con ele tendo do de dira victoria a nele por ele ganhar sala grafo mas um badro por ele não governar tare oi zai esse lá Blanc là tout. Blanc toile, bleu. Bon, origine.
D'ailleurs, ton nouvelle couleur va nous tester quoi. Nous d'accord, non. Caracara. Il a mal à la dame. Oui, c'est ta vie. Ah, je sais pas. Ah, ouais. Bon, ok. Merci. Merci. Il est après. Ok. Oh, il y a un autre. Non, il y a un gars de Coro et puis il est venu de l'hôpital. Il doit aller à l'hôpital. Il est direct sur les 3500. Et puis d'avoir 5 000 donc. Ah, mais dans ma morgue, c'est pas 40 000 euros. À 140 000 tours. Là, on a rien, et puis bénéfice, on va avoir 200 000 dans l'année, projet. Dans le savon, dit. Voilà, il y a un conseil ici. Oui. De où ton hôpital est arrivé, Madi? De où ton hôpital est arrivé? Yadou. 44. La fois. Yusuf 42. DJ 43. DJ 43, j'ai 42. 46 ou 42. Ah. Tu as quelque chose sur toi? Non, c'est tombé. Gazina, on a dit que dans la talade, on dit là-bas. Non, ça la même moi, je veux. On a dit que dans la talade, on dit là-bas. Non. Voilà. Nandik Tarata. Pourquoi Nandik Tinan ou Nandik Rousseau? Là, nous sommes au local de la Coton Chat. C'est là où on se regroupe souvent pour jouer nos matchs. Et des fois, là, comme demain on joue, on est venu ici pour passer la nuit ici. Et le match, ça va se jouer demain à 15h30 face à LX Sport. C'est la Super Coupe. Le vainqueur du championnat dernier contre le vainqueur de la Coupe. Bon, c'est tout d'abord, c'est pour renforcer les liens de tout et chacun ici. Et c'est pour mieux préparer le match. Même si c'est pas un hôtel 5 étoiles, quand même, on a un coin où on peut mettre la tête. Et voilà, c'est pas facile, même avec les moustiques. Dans une chambre, tu peux retrouver 5 à 6 personnes des fois. Ouais. Mais là, actuellement, nous sommes à 3, on dort à 3 ici. Donc, on va essayer de jouer et remporter le match demain pour faire plaisir au nouveau bureau. Si on ne gagne pas, on ne peut pas avoir d'argent aussi, non? Ah ouais? On est condamné à gagner pour. Pas beaucoup, mais on espère. Bon, on ne connaît pas. C'est beaucoup, mon gars. Voilà, même si 10 000. 15 000. Bon, on ne connaît pas le montant de la prime. C'est que si on aura quand même de l'argent. Vraiment, on ne peut pas déranger. Donc, bon, c'est qui est bien, faut qu'on gagne d'abord le match et puis on verra ce qui va se passer après. C'est qui est sûr, l'argent va sortir. On le comprend. C'est qui est sûr, l'argent va sortir, on espère. Avoir une grosse somme ici, c'est pas facile. Avec la crise économique, tout et tout. Je compte bien encore jouer à l'extérieur. Ça, c'est mon rêve le plus fou. Je sais que ça va être un peu compliqué, mais je rêve toujours de jouer à un certain niveau. Le professionnalisme, ça touche beaucoup, ça gagne beaucoup. Et qui ne veut pas que sa famille soit à l'aise? C'est tout le monde qui aspire à ça. Donc, dès que tu signes en pro, voilà, tu vas avoir une grosse somme, tu peux investir et voilà, mettre à l'aise, pas totalement à l'aise ta famille, mais quand même, subvenir à leurs petits besoins.
Je sais pas, mais c'est très difficile. On se pose la question, est-ce que ces enfants vont réussir? Quand ils vont réussir par rapport à ce qu'on a fait avant? Donc nous-mêmes, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils disent qu'il n'y a pas l'argent, l'État inversé. Des fois, il y a l'argent. Par rapport à notre temps, il n'y avait pas l'argent. Mais on jouait mieux. Tasa naire, tasa naire kwa me. Tasa naire juu madam tu kunda nno. Tajuti naire.
Nos maisons avant étaient en poto-poto. J'ai grandi dans une famille modeste, c'était en poto-poto. Et les maisons voulaient s'écrouler comme ça. J'ai mis un point sur la reine de licence, j'ai dit comme ça. Je mets tout ce que je gagne, je vais essayer de construire les chambres pour la maman. En tout, j'ai construit 11 chambres en briques cuites, même si ce n'est pas un matériel durable, quand même, Dieu merci. Avec l'argent que Dieu m'a permis de gagner dans le football, j'ai quand même construit quelques chambres pour la maman. Comme ça, elle a un toit pour mettre sa tête dedans. Et j'ai installé le robinet, le courant, tout et tout. Calas, calas. Rosa, Mario Dosino. Voilà, tu veux dire, Bon appétit. Wow. Merci beaucoup. Oui, j'ai 3 enfants. Les 2 sont avec moi. L'autre est à Doba. Je lui ai refusé de jouer au foot. J'ai dit, je préfère mieux qu'il continue avec le cours parce que moi, j'ai abandonné les études par rapport à l'esport et je n'ai pas pu réussir. Donc, moi, je lui ai demandé de ne pas continuer avec l'esport. Parce que l'esport ici au Tchad, là, si tu fais même après, tu vas gagner rien. Donc, moi, je l'ai empêché de jouer au foot. Il a tous ses diplômes, le petit. Mais il n'est pas intégré là. Mais moi, j'ai arrêté, j'ai compté sur l'espoir et aujourd'hui, bon, maintenant j'ai arrêté avec l'espoir, je suis là comme ça. Je n'ai pas trouvé le boulot aussi. Félicitations! Félicitations! Merci. Je suis content. Non! J'ai bien dormi hier. Imagine. Très bien dormi hier. Hein? Ah, comme tu gagnes, non, hein? Comme tu gagnes. C'est ça. Normal, hein? Mais, c'est le championnat. Mais, non, c'est pas grave. Fadal. C'est le championnat, on va le prendre encore. Inch'Allah. On va le prendre. Inch'Allah. En beauté. Allez, Guinée. Vas-y. Bon appétit. Voilà. Digangale. Voilà. Bienvenue à Poussière.